aussi à faire un échauffement en commun avec tout le groupe sur... Patrick Cavlan, l'entraîneur de l'Essor, présente la séance d'entraînement. Inscrire leur nom au palmarès de la Coupe de Martinique, c'est l'objectif de cette génération de joueurs préchotins. Après une première partie de championnat souvent proche de la relégation, les Essor préchotins ont pris de gros efforts à quasiment assurer son maintien parmi l'élite du football martiniquais. Maintenant, les joueurs ont la tête sur la finale. On va tout mettre de notre côté pour faire un bon match mardi contre le Golden Lion, qui est une équipe qui n'est pas facile à jouer, mais on va tout faire pour y arriver. Un match se joue sur le terrain, ça se prépare depuis ici pour mardi, on puisse essayer de concrétiser ce qu'on a à faire. Face au Golden Lion, il faudra user de stratégie tactique. De stratégie tactique et avoir de la chance, puisqu'on sait que nous rencontrons l'orgue du football martiniquais. Le Golden Lion, c'est l'équipe qui marche très très fort en ce moment. Mais sur un match, je crois que tout est possible. Donc on va essayer de mettre toutes les chances de notre côté, essayer de les repousser dans leur dernier retranchement et essayer de ramener cette coupe au prêcheur. Maintenant, on sait très bien que ça sera extrêmement difficile, mais on va dire qu'impossible n'est pas préchotin. Toute la commune sera derrière son club afin de réaliser l'exploit. On va jouer notre chance à fond la caisse. La population préchotine pense justement à cette finale. Oui, parce que nous avons déjà demandé si on a des tickets en vente et tout, pour descendre tout le monde en rouge à Dillon. Tout le monde en rouge, on arrive à supporter les sorts, ça c'est sûr. Pour que la coupe monte au prêcheur après le 16 casse-pilote et après l'assaut. L'Essor préchotin parviendra-t-il à ramener le trophée de la coupe au prêcheur? Réponse mardi soir sur Martinique la première.